Au Burkina Faso, on compte plus de 2 millions de personnes déplacées internes en 2024 dues à la crise sécuritaire. Dans le but d'améliorer la situation de ces personnes, le foyer FAMA créé en 2021 accueille les femmes vulnérables et déplacées internes, les veuves ainsi que leurs enfants, afin d'assurer leur sécurité. À l'heure actuelle, nous avons accueilli plus d'une cinquantaine de femmes qui vivent, eux, leurs enfants. Donc, l'un des objectifs de ce foyer est d'offrir ce cadre sécurisé où elles sont logées, nourries et soignées. Ce projet consiste non seulement à fournir un abri à ces personnes, mais aussi de leur offrir des opportunités de formation qui leur permettra de développer des activités génératrices de revenus et subvenir aux besoins de leurs enfants. Les tissages, la pâtisserie et la savonnerie sont les différentes formations dont elles bénéficient. Je suis cuisinier et formateur pour les dames qui sont au foyer ici. Et mon rôle principal, c'est de les aider et plus tard, hors du foyer, mener une activité vraiment plus rentable, quoi. Au foyer, on nous apprend beaucoup des activités. On nous apprend à faire mougoudougou, on fait gâteau, on fait aussi le pain, les cibs. On nous apprend à faire tout. Parmi nos activités, il y a aussi la vente au marché. Donc on sort vendre le riz. Quand on vient pour vendre le riz, on sort, nous cherchons des clients dans le marché, ils lancent la commande, nous partons les servir. Si je suis en train de me faire un peu de travail, je suis en train de me faire un peu de travail. Je suis en train de me faire un peu de travail. Je suis en train de me faire un peu de travail. Je suis en train de me faire un peu de travail. Je suis en train de me faire un peu jude fu a heban ekitoda wodi du sa sukabe ma do a heban janga. Au regard du nombre croissant de personnes déplacées internes, le projet FAMA souhaite améliorer la vie des femmes et enfants dans des situations difficiles. Le projet doubler sa capacité d'accueil afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle des résidentes. Nous espérons bénéficier donc d'un espace beaucoup plus large afin d'accueillir beaucoup plus de femmes en situation difficile. Nous lançons un appel aux bienfaiteurs, aux donateurs, de pouvoir soutenir davantage les activités du projet au Burkina Faso, étant donné que la situation des personnes déplacées internes devient beaucoup plus difficile avec le nombre.